die er herstellt. Amen. Amen. Et tu vas comprendre pourquoi on pose cette question, où es-tu? Und du wirst verstehen, warum wir diese Frage stellen. Seigneur, bénis ta parole. Gott segne dein Wort. Rends tout esprit captif à ta voix. Nimm alle Geister. Parle-toi et toi seul. Sprich zu uns. Et que cette parole guérisse, bénisse et transforme. Wort heil, transforme. Chassons tout esprit de distraction. Verjagen alle Geister der Angst. Chassons le jeton dans les arrières et dans le feu. Verjagen die ins Feuer hinab. Et que tu nous parles, toi et toi seul. Dass nous tous uns sprichst. Jésus, c'est toi qui parles bien que tout le monde. Jésus, tu bist der, der besser als alle spricht. Parle à ton peuple. Sprichst du dein Volk. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Gib un bon Amen. Gib mir ein gutes Amen. On pose la question, où es-tu? Wir stellen die Frage, wo bist du? Et pour ceux qui savent bien le français mieux que moi, comme le frère Ghislain, quand on dit où, wenn man sagt, wo, ça montre les lieux, das zeigt den Ort, où ça montre la place. Oder das zeigt den Ort, den Platz. Amen. Amen. Quand on dit où, wenn man sagt, wo, ça montre une direction, das zeigt eine Richtung. Et quand on dit où, und wenn man sagt, wo, ça veut dire, das heißt, la personne qui les pose, die Person, die steht, il ne comprend pas, sie versteht nicht, mais il veut savoir, aber sie muss c'est dans quelle direction, in welche Richtung. Amen. Amen. Imagine que je pars à Düsseldorf, ich fahre nach Düsseldorf, et j'arrive à Cologne, und ich komme nach Köln. Si je ne sais pas comment aller, wenn ich nicht weiß, wie ich je komme, poserai la question, dann stelle ich die Frage, où se trouve Düsseldorf? Wo befindet sich Düsseldorf? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Je dis que je ne sais pas. Das heißt, ich weiß mais nicht. Je vais aller. Aber ich möchte gehen. Mais je n'ai pas de direction. Aber ich habe keine Richtung. Mais quand je dis où aller, aber wenn ich sage, wo, ça veut dire que c'est lui qui me donne la réponse. C'est die Person, die mir antwortet. Il me sauve directement. Die rettet mich direkt. Parce que c'est lui qui a la réponse. Die Person, die die Antwort ne posera plus la question. Wird nicht mehr dann eine Frage stellen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit. Versteht ihr, was ich sage? C'est lui qui a la réponse. Die Person, die ne posera plus la question. Wird keine Frage. Et je prie à mon Dieu que toutes les questions de ta vie, alle Fragen, que tu puisses avoir la réponse au nom de Jésus. Antwort dafür bekommst du im Namen Jesu. Imaginez, stellt euch vor, quand tu pars, wenn Gott spricht, ça demande la sensibilité. Es fordert Sensibilität. Ein simple Amen. Ein einziges Amen. Wer changer ta vie pendant 10 ans. Dein Leben für 10 Jahre ändern. J'ai dit, tu es béni au nom de Jésus. J'ai dit, tu es restauré au nom de Jésus. J'ai dit, tu es béni au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Heil, on dit, où es-tu? Man sagt, wo bist du? Maintenant, là, il y a le verbe être. Da haben wir das Verb sein. Qui est conjugué à sa deuxième personne du singulier. Welches von der zweiten Person der Ich-Form konjugiert wird. Quand on dit où es-tu, wenn man sagt, wo bist du, on parle d'une personne. Dann spricht man über die Person. Amen. Amen. C'est un verbe qui est conjugué. Es ist ein Verb, tu vas comprendre pourquoi je te donne tous ces barres. Du wirst verstehen, warum ich das alles sage. On dit où, man sagt, wo, il montre la direction. Es zeigt die Richtung. On dit es-tu, man sagt, c'est une personne. Es ist eine Person. Mais quand vous comprenez, aber wenn es versteht, dans cette phrase, wenn es den Satz versteht, c'est comme si quelqu'un est en train de chercher une autre personne. Es ist, als ob jemand eine andere Person sucht. C'est le premier sens de la phrase. Das ist der erste Sinn des Satzes. C'est comme si une maman entre dans la maison. Es ist wie eine Mutter kommt ins Haus. Et ne voit pas son fils. Und sie sieht ihren Sohn. La réponse qu'il pose, die Frage, die sie stellt, où es-tu? Ist, wo bist du? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Et la réponse qui est posée, und die Antwort, die dann kommt, ça veut simplement dire, heißt, que cette personne-là, dass diese Person, il a un souci, die Person hat ein Sorge von denen, die sie nicht mehr. Et quand il dit où es-tu, wenn sie sagt, wo bist du, ça veut dire peut-être, das heißt vielleicht, le papa ou la maman, der Vater oder die Mutter, il a quelque chose à donner à son fils, hat etwas seinen Sohn zu geben. Mais seulement quand il vient le donner, aber nur wenn sie kommt, il ne le trouve pas, und sieht es nicht, et il pose la question, und sie stellt die Frage, où es-tu, wo bist ça du, ça montre un souci, das zeigt eine Sorge, je suis en train de prier und ich bete für dich, tout ce que tu avais perdu, alles was du verloren hast, tu le recevras encore au nom de Jésus. Alléluia. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 15 et 17. Ab vers 15 bis 17. On aura la parole de Dieu. Wir ehren das Wort Gottes, indem wir aufstehen. Genèse chapitre 2. À partir du verset 15 au verset 17. Ab vers 15 bis 17. J'aimerais qu'on lise tous ensemble. Ich möchte, dass wir alle zusammen lesen. 1, 2, 3, 4. L'Éternel Dieu prit le Gott, et plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 3, c'est juste le chapitre qui suit. On va lire à partir du verset 1. Und wir lesen ab Vers 1.
Amen. Amen. Verset 1 au verset 11. Vers 1 bis 11. Une étoile isolante. Le serpent était le plus utilisé de tous les animaux des champs. Que l'Éternel Dieu a révélé. Il dit à la femme, Dieu a tellement dit, je ne mangerai pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand on prend l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les bien et les mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle et il le mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des fécondes figuiers, ils s'enfuirent des sanctuaires. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? J'aimerais qu'on puisse répéter le verset 9. 1, 2, 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, tu déposes ta Bible et tu me suis ici. Le livre de Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Et qui a écrit le livre de Genèse? C'est le prophète Moïse. C'est le prophète Moses. Moïse a écrit Genèse. Moses a écrit Genèse chapitre 1. Moses 1. Jusqu'à Genèse chapitre 11. Bis 1. Mose 1. C'est ça qu'on appelle la partie historique. Das ist diese historische Teil. On nous parle de la création du monde. Man spricht über die Schöpfung der Welt. On nous parle du déluge. Man spricht über diese quand tu as tué le monde aussi. Quand die ganze Welt zerstört. On nous parle d'une famille. Dann sprach man über eine Familie. Qui est restée dans l'arche de Noé. Die in der Arche Noah blieb. Comment est-ce qu'à partir de cette famille. Und wie ab durch diese Familie. Le monde s'est multiplié. Hat sich die Welt wieder vermehrt. Et dans le verset 11. Vers 11. On voit la tour de Babel. Que le Seigneur a confondu les hommes. Leute il a donné toutes les langues que nous connaissons. Sprachen, die wir heute kennen. Et dans les versets 12, Vers 12, c'est là où le Seigneur choisit un homme au nom d'Abraham, afin de lui la source des bénédictions. Et je suis en train de te dire, tu es un fils et une fille d'Abraham, tu es dans la promesse d'Abraham, tu ne mourras pas, mais tu seras rassasié de ce jour comme ton père Abraham. Tu dis un bon amen et Dieu te bénit. Dans le chapitre 1, on montre comment Dieu, qui est venu de l'éternité, l'éternité veut dire la place où il n'y a pas d'espace et il n'y a rien. Ein Ort, wo es nichts gibt. Amen. Amen. Et le Seigneur sort de l'éternité. Und der Herr kommt aus der Ewigkeit. Und er fängt dann die Welt zu schaffen. Il tout. Er schafft alles. Pour les sacrer mieux que moi. Il kennt es besser als ich. Mais le sixième jour, aber am sechsten Tag, il crée l'homme. Schafft er den Menschen. Il donne le nom d'Adam. Er gibt ihm den Namen Adam. Lui qui est le père de l'humanité. Der der Vater der Menschheit ist. Et Adam n'est pas seul. Und Adam ist nicht parce allein. Que Dieu a dit. Weil Gott sagt, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Est-ce que vous me comprenez? Versteht ihr mich? Il a dit, je lui ferai une er sagt, ich mache aus ihm eine Geschmack. Qui est cette tête semblable? Wer ist diese Hilfe? Elle s'appelle Eve. Sie heißt Eva. Amen. Amen. Alors, ils sont un couple dans les gens. Sie sind ein Paar im Garten. Et le Seigneur les a tout donné. Il les a donné tout. Er hat alles et même si vous allez lire la Bible, die Bibel, vous allez voir que Adam sehen, a donné même les noms aux animaux. Er gab sogar den Tieren Namen. Mais pourquoi? Aber warum? Parce que Dieu avait dit à l'homme, tu domineras sur les oiseaux du ciel, du über die Vögel, sur les poissons de la mer. Die Fische im Meer. Est-ce que vous comprenez? L'homme a la domination de Dieu. Der Mensch hat die Domination von Gott. Il n'est pas seul, aber er ist nicht allein. Il est avec sa femme. Er ist mit seiner Frau. Ils sont tous les deux ensemble. Sind zu zweit. Je donne conseil au papa. Ich gebe einen Rat. Ne venez pas à l'église seul. Kommt nicht in die Kirche allein. Venez avec votre femme. Kommt mit eurer Frau. Venez avec votre mari. Und kommt mit euren Männern. Alléluia. Amen. Si vous allez quelque part, wenn ihr irgendwo hingeht, ne marchez pas seul. Dann geht nicht allein. Marche avec ta femme. Aber geh mit deiner Frau. Oh, j'ai bien parlé. Habe ich gut gesprochen. Et tu comprendras pourquoi je te. Und du wirst verstehen, warum ich dir diesen Rat gegeben habe.
Amen. Amen. Alors le diable est jeté du ciel. Teufel kam, wurde vom Himmel runter. Avec la colère dans son cœur. Mit der Wut in seinem Herzen. Il a dit, comme Dieu m'a jeté par terre. So weit Gott mich auf Erden geworfen hat. Et il a créé un homme. Und er hat einen Menschen geschaffen. À son image et à sa raison. Seinem Ebenbild und Ähnlichkeit. Alors cet homme est plus puissant que moi. Das heißt, dieser Mensch ist viel mächtiger als ich. Dans la colère du diable. Durch in der Wut des Teufels. Il veut aussi détruire. Kann auch den Menschen zerstören. Mais l'homme est où? Aber wo ist der il Mensch? Est dans le jardin d'Eden. Er ist im Garten Eden. Et qu'est-ce que le diable fait? Und was tut der Teufel? Il vient par le serpent. Er kommt durch die Schlange. Mais pourquoi le diable vient? Aber warum kommt der Parce Teufel? Que Dieu avait donné tout à l'homme et la... Weil Gott alles den Mann und der Frau gegeben hat. Mais il avait dit une chose. Aber er sagte eine Sache. Vous allez tout manger ici. Ihr werdet alles, ihr dürft alles hier essen. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht. Vous n'en mangerez pas. Dürft ihr nicht von ihm. Parce qu'un bon père. Denn ein guter Vater. Malgré qu'il aime ses enfants. Auch obwohl er seine Kinder liebt. Mais dans un côté. Aber in einer Richtung. Il y a un côté de discipline. Gibt es auch eine Discipline. Où il va discipliner ses enfants. Wo er seine Kinder disziplinieren. Pour assurer leur futur. Um ihre Zukunft zu sichern. Est-ce que tu es d'accord avec Bist du mit mir einverstanden? Et Dieu les a dit. Und Gott sagte ihm. Ne mangez pas. Esst nicht. Mais il y a un inconvénient. Aber es gibt einen. Si vous mangez. Wenn ihr isst, y a quelque chose qui va arriver. Es gibt etwas, was kommen wird. Si Adam mange, wenn Adam isst, si Eve mange, oder wenn Eva isst, qu'est-ce qui va arriver? Was wird kommen? La Bible dit, die Bibel sagt, ils mourront. Sie werden sterben. Ça veut dire, das heißt, à cette époque-là, zu dieser Zeit, es pas la mort, gab es keinen parce Tod. Que l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Der Mensch wurde durch die Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Dieu est éternel. Gott ist ewig. Et il a créé un homme éternel. Und er hat auch einen ewigen Menschen geschaffen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Mais pour rester éternel, um ewig zu bleiben, il y a une condition, Adam. Gibt es eine Bedingung. Ne mange pas cet arbre. Esst nicht von dem Baum. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Je venais d'abord mettre cette base. Ich möchte diese Basis de l'histoire pour que tu comprennes. Die Geschichte, damit du verstehst. Mais qu'est-ce qui se passe? Aber was geschieht? Le diable vient. Der Teufel kommt. Il dit à la femme. Und er sagt der Frau. Tu es un menteur. Gott ist ein Lügner. Tu peux manger les fruits. Du kannst die Früchte essen. Ça ne fera rien. Das wird dir nichts tu ne mourras pas. Du wirst dich mais au contraire. Aber im Gegenteil. Ils mieux souffriront. Deine Augen werden sich verdrehen. Le diable est un menteur. Der Teufel ist ein Lügner. Il est le père. Die Bibel sagt, er ist der Vater der Juden. Il a menti à Adam. Und er belog en Adam. Fait, damit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht. Ça voulait pas ouvrir les yeux d'Adam. Hätte nicht die Augen von Adam geöffnet. Au contraire. Im Gegensatz. Ça allait fermer ses yeux spirituels. Er hat seine geistlichen Augen geschlossen. Amen. Weil vorher Adam parlait avec Dieu face à face. Adam sprach mit Gott angesicht Mais zu angesicht. Quand le péché est arrivé, aber als die Sünde c'est kam, une voie entre l'homme et Dieu. Gab es dann einen Schleier zwischen Gott und dem Mensch. Tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Il a parlé à la femme. Und er sprach zur Frau. La femme a mangé. Die Frau aß. Et il a donné à son mari. Und sie gab ihrem Mann. C'est pour cela que j'ai dit. Deshalb sage ich. Marchez en couple. Geht immer zusammen als Paar. Parce que quand la tentation arrive. Denn wenn die Versuchung kommt. Vous allez comment? Vous allez vous défendre ensemble. Dann werdet ihr euch zusammen verteidigen. Qu'est-ce qui se passe ici? Was geschieht hier? Adam est absent. Adam ist nicht il da. Il laisse sa femme seule. Er lässt seine Frau allein. Et le diable vient les tenter. Und der Teufel kommt. Et la femme tombe. Und die Frau fällt. Tellement que Adam aime sa femme. Da Adam seine Frau. Et il mange aussi le fruit. Und er isst auch noch. Je lève ma main droite et je prie. Ich erhebe meine rechte. Toute tentation qui se présentera devant toi. Alle Versuchung, die sich vor dir stellt. Ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Es wird nicht zutreffen im Namen Jesu. Oh, dis-moi un amen et que Dieu te délivre. Ils ont mangé là. Und sie aßen vom Baum. Qu'est-ce qui se passe? Was geschah? Dieu était au ciel. Gott war im Himmel. Parce que vous devez savoir. Ihr müsst wissen. Tous les jours. Jeden Tag. Chaque soir. Jeden Abend. Dieu venait pour parler avec l'homme et la femme. Kam Gott, um mit dem Mann und Frau zu sprechen. Les enseigner, leur donner des instructions. Und um die zu belehren und die Hand. Mais dans ce jour-là. Aber an diesem Tag. Dieu vient dans son rendez-vous. Gott kommt in seinem Treffen. Comme tous les jours. So wie jeden Tag. Mais quand il arrive. Aber wenn er kommt. Il ne voit pas l'homme. Sieht er den Menschen nicht. Et il ne voit pas la femme. Er sieht den Mann und die Frau nicht. Amen. Amen. Alors Dieu est surpris. Gott ist überrascht. Er dit mais non. Er sagte nein. Tous les jours. Jeden Tag. Je vois Adam et Eve. Sehe ich Adam und Eva. Mais ils sont où? Aber wo sind sie? Et Dieu crie dans le jardin. Und Gott schrie il dit Adam. Adam. Er sagte Adam. Où es-tu? Wo bist du? Ça veut dire. Das heißt, Dieu était inquiet. Gott war in Sorge. De ne pas voir Adam. Denn weil er nicht Adam sah. Parce que vous devez savoir. Denn ihr müsst wissen. À chaque fois. Jedes Mal. Que Dieu vient à la rencontre de son enfant. Wenn Gott mit seinem Treffen, mit seinem Kind. Il vient pour les bénir. Er kommt, um ihn zu segnen. Dieu
est d'accord avec moi. Ce qui est fashion. La Bible dit qu'il n'a rencontré Dieu. Et restait la même. Ni matraf quand on prie des ailes. Quand tu rencontres Dieu, ta vie change totalement. Je suis venu te dire, ce matin, tu verras le Dieu qui te cherche. Et là, Adam, où es-tu? Mais je ne comprends pas. Aber ich verstehe nicht. Parce que c'est Moïse qui nous parle. Moses spricht zu uns. C'est lui qui a reçu la révélation. Er hat die Offenbarung empfangen. Alléluia. Amen. Dieu dit Adam, où es-tu? Gott sagt, Adam, wo bist du? Regardez la réponse d'Adam. Schau die Antwort von Adam. Il a dit je me cache. Er sagt, ich verstecke mich. La première fois, das erste Mal, que le verbe cacher a été conjugué. Wo das Verb verstecken konjugiert. C'était Adam qui l'a dit. Adam, parce que vous devez savoir, you must wissen, que le verbe cacher n'existait pas. Dass das Verb verstecken nicht existierte. Tu es d'accord avec monsieur, mais il caché. Mais il s'est caché comment? Aber warum versteckt er sich? Il était même sur lui. Gott war sogar überrascht. Mais pourquoi tu es caché? Aber warum versteckst du dich? Qu'est-ce qui se passe? Er sagte, was geschieht? Il a dit, er sagte, parce que je suis nu. Weil ich nackt bin. Et la première fois, und das erste Mal, que l'homme se rend compte, wo der Mensch weiß, qu'il est nu, dass er nackt ist, c'était dans le jardin. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Vous allez me comprendre. Il allait, je verstehe. Alléluia. Amen. Alors Adam est nu. Adam ist nackt. Et Dieu dit, und Gott sagt, qui t'a appris? Wer hat dir gesagt, que tu es nu? Dass du nackt bist. Ça veut dire, das heißt, moi, je ne t'ai jamais enseigné ces choses. Ich habe dir niemals gezeigt, dass du nackt bist. Tous les jours quand je viens te parler, jeden Tag, wenn ich zu dir spreche, je t'ai jamais dit, ich habe dir niemals gesagt, que tu es nu, dass du nackt bist. D'autre manière, und von einer anderen ça veut dire, das heißt, Dieu était satisfait de voir son fils comme ça. Gott war befriedigt, seinen Sohn immer so zu sehen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis bien fâché. Et Dieu pose la question. Und Gott stellt qui t'a appris que tu es nu? Wer hat die Bible? Mais moi je ne suis pas là. Aber ich bin moi je suis à la place. Ich bin in der Stelle. Où Dieu pose la question à Adam. Adam die Frage stellt. Où es-tu? Wo bist du? Dans cette phrase là. In dieser Phrase. Ça se cache beaucoup de choses. Verbirgt sich viele Sachen. Je prie à Dieu. Und ich bitte sogar. Qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. Pour comprendre ce qu'il te dira. Du verstehst, was er dir sagt. Pourquoi Dieu pose cette question? Warum stellt Gott die Frage? Pourquoi? Parce que Adam, Adam n'est pas dans les lieux de rendez-vous. Ist nicht am Ort des Treffen. Parce que si Adam, weil wenn Adam était là, dort war, Dieu n'allait pas poser la question. Gott hätte nicht die Frage Adam, gestellt. Où es-tu? Adam, wo bist du? Mais si Dieu, aber wenn il Gott pose la question, est die Frage à Adam, Adam, où es-tu? Wo bist du? Ça veut dire, das heißt, il ne l'a pas vu. Er hat ihn nicht gesehen. Oh, Dieu est d'accord avec bist moi? Einfach est-ce que j'ai bien parlé? Habe ich richtig gesagt? Il dit Adam, où es-tu? Er sagt, Adam, wo bist du? Mais Adam, qu'est-ce qui se passe? Adam, was geschieht? Je ne te vois pas. Ich sehe dich nicht. Tu es où maintenant? Wo bist du denn jetzt? Il dit Seigneur, je me cache. Herr, ich verstecke mich. Mais tu te caches pourquoi? Aber warum versteckst du dich? Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Je suis venu dire à quelqu'un. Ich bin gekommen, jemand zu sagen. La plupart de fois, die Mehrheit, c'est nous-mêmes. Es ist wir selbst. Wir sind à la base. Die in der Basis. Mais certains états. Von einigen Verspätungen. Von einigen Verspätungen. Wisst ihr warum? Parce que à chaque fois, weil jedes Mal, que Dieu vient à un rendez-vous, wenn Gott zum Treffen kommt, und er nous voit pas. Und er sieht uns nicht. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Plusieurs fois, mehrmals, nous plairons à Dieu. Weil wir zu Gott, nous à Dieu. Wir zu Gott. Mais pourquoi ça ne va pas? Warum funktioniert mais tu ne comprends pas. Aber du verstehst nicht. Es fait longtemps. Das schon seit langem. Dieu posait la question. Gott die Frage stellte. Wo bist du? Halleluja. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich jemand? Beaucoup de personnes. Viele Leute. Les enfants de Dieu. Kinder Gottes. Nous nous détruisons nous-mêmes. Wir zerstören uns. Parce que quand Dieu vient nous visiter. Wenn Gott uns aufsucht. Il ne nous trouve plus là. Er sieht uns nicht. Et qu'est-ce que Dieu fait? Was tut Gott? Il part. Er geht. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis bien fâché. Imagine, tu avais la foi. Du hattest que ta situation, dass deine Situation va changer. Sich ändern ça veut dire, das heißt, ta foi, dein Glaube, c'était ton adresse. War deine Adresse. Où tu te rencontrais avec Dieu. Wo du dich mit Gott traf. Mais seulement, aber, parce que la chose que tu as demandé, weil die Sache, die du Gott bat, tu ne l'as pas vu. Du hast es nicht et tu perds la foi. Und du verlierst et quand Dieu vient, wenn Gott pour te donner le fruit de la foi, dann ist du frisch. Tu ne te trouves plus. Mais Adam, où es-tu? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Tu aimais la parole de Dieu. Du liebtest das Wort Gottes. Tu écoutais la parole de Dieu. Du hörtest das Wort Gottes. C'était ça le lieu de rendez-vous. Es war dein Treffen mit Gott. Seulement du
toi-même. Nur du selbst. Tu t'es détourné. Du hast dich abgewendet. Von Gottes Willen. Et quand tu viens, wenn Gott kommt, t'es béni par sa parole. Zu segnen durch seine Worte. Er sieht dich nicht. Er sieht dich nicht. Adam, um es. Aber Adam, wo bist du? Halleluja. Amen. Dieu n'est pas un menteur. Gott ist kein Lügner. Il n'est pas un homme pour mentir. Er ist kein Mensch, um zu lügen. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Er ist kein Menschensohn, um sich zu bekehren. Tout ce que Dieu dit, alles was Gott sagt, il finit par l'accomplir. Er tout ce que Dieu dit, ich sagte, alles was il Gott finit sagt, par l'accomplir. Er erfüllt das. Écoute-moi. Aber mit zu. Pourquoi? Warum? Tu n'es plus à ta place. Bist du nicht mehr an deiner Stelle? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit à Dieu, vous êtes souvent moi ça. Give me that. Et si tu me donnes, me je resterai. Bleibe. Et je te fais confiance. Und Gott vertraut dir. Il te donne ça. Er gibt dir das. Mais Dieu sait. Aber Gott weiß. Tu ne resteras pas là. Dass du nicht noch bleibst. Tu vas monter encore. Du wirst noch steigen. Dans une autre dimension. In einer anderen Dimension. Mais non parce que ça t'attend. Nur weil es et tu te place. Gehst du weg. Et quand Dieu vient, und wenn Gott kommt, pour te donner une autre dimension, eine neue Dimension, tu ne te trouves plus. Er sieht dich nicht mehr. Adam, où es-tu? Adam, wo bist du? Halleluja. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? Si Dieu te donne la vie, wenn Gott dir das Leben gibt, c'est ça le lieu du rendez-vous. Das ist dein Ort. Parce que la Bible dit, denn die Bibel sagt, pour tous ceux qui vivent, für alle die leben, il y a encore de l'espoir. Gibt es noch Hoffnung. Ça veut dire, das heißt, comme tu n'es pas mort, da du nicht tot bist, mais tu es vivant, aber le la promesse de Dieu, Gottes Versprechen, finira par s'accomplir. Wird sich erfüllen. Ich sage, es wird sich erfüllen. Mais le problème, c'est quoi? Aber was ist das Problem? Adam, où es-tu? Adam, wo bist du? Halleluja. Amen. La question que Dieu pose, die Frage, die Gott stellt, vous devez savoir, du musst wissen, ça cache beaucoup de choses. Es verbirgt viele Sachen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. La première phrase, die erste ça nous refait, das sagt uns, que Adam, dass Adam, il n'était pas er war dans nicht, les lieux habituels où Dieu l'était. Er war nicht in den gewöhnlichen Ort, wo Gott ihn immer auffand. Amen. Amen. Toi, tu priais tous les jours à 5 heures. Tu te réveillais à 4 heures. Tu te réveillais à 5 heures. Pour chercher Dieu. C'était ça ton lieu de rendez-vous. Dieu t'est venu là. Gott kam immer. Pour te délivrer. Pour te parler. Pour te bénir. Mais depuis, tu n'es plus à cette heure-là. Mais quand Dieu vient, il ne te trouve pas. Et il te pose la question. Adam, où es-tu? Adam, où bist-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Kann jemand Amen sagen? Tu étais à l'église. Du warst in der Kirche. Tu servais le Seigneur. Du dientest den Herrn. Dans les protocoles. Im Platzanweisung. Dans la modération. In der Moderation. Dans l'interprétation. In der Übersetzung. Tu te voyais là. Gott sah dich dort. Mais depuis que Dieu t'a élevé. Gott dich erhoben. Tu ne fais plus ça. Du tust das nicht. Parce que tu dis, je suis chargé. Du sagst, ich bin chargé. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai viele Sachen zu tun. Oh Adam. Oh Adam. Où es-tu? Wo bist du? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Tu venais à l'église. Du kamst in der Kirche. Tous les dimanches. Jeden Sonntag. Tu étais ponctuel. Du warst pünktlich. J'écoutais la parole de Dieu. Du hörst das Wort Gottes. Tu aimais ton église. Du liebtest deine Kirche. Tu aimais ton pasteur. Du liebtest deinen Pastor. Seulement parce que. Nur weil. Quelque chose est arrivé. Etwas zugekommen. Tu t'es décidé. Du hast dich entschieden. De ne plus chercher Dieu. Nicht mehr Gott aufzunehmen. De ne plus aller à l'église. Nicht mehr in die Kirche. De ne plus prier. Nicht mehr zu beten. Écoute-moi. Hör mir zu. L'église. Die Kirche. On ne vient pas. Man kommt nicht. Pour un nom. Für eine mais l'église, aber die Kirche, vient pour Dieu. Wir kommen für Gott. Écoute-moi, Adam. Hör mir zu, Adam. Où es-tu? Wo bist du? Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Il y a beaucoup de gens. Es gibt viele die Leute, se sont décidés, die sich entschieden haben, abandonner Dieu, Gott zu verlassen, par la déception de l'homme, wegen der Enttäuschung des Menschen. Oh, Dieu. Oh mein Gott. Qu'est-ce qui se passe? Was geschieht? Ce n'est pas l'homme. Es ist nicht der Mensch. C'est Dieu. Es ist Gott. Halleluja. Amen. Tu ne verras pas le Seigneur. Du wirst den Herrn nicht sehen. Parce que moi je suis ce que je suis. Weil ich bin der. Je suis rien. Ich bin nicht. Je suis qu'un instrument. Ich bin nur ein Instrument. Mais toi tu verras le Seigneur. Du wirst den Herrn sehen. Parce que tu as cru en lui. Weil du an ihn geglaubt hast. Oh, est-ce que je parlais à quelqu'un? Sprach ich zu jemand? Pour un pasteur. Für einen Pastor. Tu ne fais plus Dieu. Du wirst nicht mehr Gott. Qu'est-ce qui se passe? Was geschieht hier? C'est comme si l'église.
l'Église. Es ist wie die Kirche. Mit attaché à l'homme. Mit den Menschen haben. Et non à la parole de Dieu. Mit Gottes Wort. Les pasteurs. Die Pastoren. Est un homme de Dieu. Der Pastor ist ein Mann Gottes. Comprenez déjà. Verstehst c'est d'abord un homme. Es ist schon ein Mensch. Mais il est de Dieu. Aber von Gott. Est-ce que vous comprenez? Verstehst du? Ça veut dire dans le pasteur. Das heißt, in dem Pastor. Gibt es auch Schwächen. Il se fâche aussi. Er regt sich auch auf. Il peut commettre une erreur. Er kann auch einen Fehler begehen. Il peut commettre un péché. Er kann auch eine Sünde begehen. Je ne suis pas un Dieu. Ich bin kein Gott. Mais vous. Aber ihr. Vous ne venez pas me voir. Ihr kommt nicht mais vous venez voir Jésus de Nazareth. Celui qui est saint. Er ist heilig. Il est saint. Er ist heilig. Je dis, il est saint. Jésus est saint. Jesus is heilig. Il est saint. Jesus il est sans défaut. Est-ce que vous comprenez? Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Alléluia. Amen. C'est ça ce qui se passe. Das ist das, was et le diable a compris. Der Teufel j'ai compris ce que Dieu m'a dit. Das, was Gott il a dit mon peuple est en train de souffrir ist am Leib. Parce qu'ils ont pris leur espérance. Weil sie ihre Hoffnung ils ont placé en l'homme. Weil sie die Hoffnung in den Menschen gelegt haben. Maudit soit celui qui se confie en verflucht soll der sein, der sich an Menschen vertraut. Weil ihr euch an Menschen vertraut habt. Habt ihr mit denen versagt. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Il y a même des gens. Es gibt sogar Leute, die haben pris certaines décisions. Die einige Entscheidungen getroffen. Parce que l'église où on partait. Weil die Kirche wo wir gingen. Quelque chose s'est passé. Irgendwas ist passiert. Le pasteur m'a sali goy. Die Pastor und Evangelista sali goy. Le prophète m'a sali goy. Ils ne sont pas des dieux. Die sind nicht von Gott. Ils sont des hommes des dieux. Sind Männer von Gott. Ils sont comme les sang comme toi. Ils sont brutes wie du. Halleluja. Amen. Ne viens pas à l'église. Komm nicht in die Kirche. Pour un homme. C'est pour cela tous les jours. Deshalb jeden Tag. Dieu vient. Gott kommt. Pour regarder son peuple. Au lieu de te trouver à la crise. Dass er dich in der Kirche dans sa présence. In seiner Gegenwart. Il te trouve à la maison. Er findet dich zu Hause. Et puis c'est toi. Und es ist qui du. Va dire. Der dann sagt. Tu m'as abandonné. Gott hat mich verlassen. Und la Bible dit. Obwohl die Bibel sagt. La Bible dit. Die Bibel sagt. Combien un jour dans la présence de Dieu. Ja, einen Tag in Gottes Gegenwart. Et mille jours ailleurs. Als tausend Tage außerhalb. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr? Ne prends pas la décision. Triff nicht die Entscheidung. Par rapport à un homme. Wegen eines Menschen. J'ai bien parlé. Habe ich gut gesagt? J'ai bien parlé. Habe ich gut gesagt? Il y a même cela. Es gibt sogar einige. Ils ont détruit leurs dons. Sie haben ihre Gaben zerstört. Und ihre Gnade. Parce que quelqu'un l'a déçu. Weil jemand sie enttäuscht hat. Amen. Amen. Tu chantais à l'église. Du sangst in der Kirche. Tu étais dans la présence de Dieu. Du warst in Gottes Gegenwart. Il te voyait ici. Er sah dich hier. Il se réjouissait. Er hat sich erfreut. Seulement. Nur, parce que quelque chose est arrivé. Weil etwas zugekommen ist in der Kirche. Et toi, si tu es sorti dans les vents. Du musst rentrer in die Kirche. Es ist nicht das. L'église. Die Kirche. Est une assemblée. Ist eine Gemeinde. Des gens qui sont appelés. Von denen, die berufen sind. Pas par un nom. Nicht durch einen. Mais appelé par Dieu. Aber durch Gott berufen. Le pasteur peut aller. Der Pastor kann gehen. Il peut tomber. Er kann fallen. Mais Jésus. Aber Jesus. Ne tombera pas. Va nicht fallen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Jésus ne tombera pas. Jesus wird nicht fallen. J'ai dit, il ne tombera pas. Ich sage, er wird nicht fallen. Les prédications. Die Predigt. Un jour. Eines Tages. Ça va s'arrêter. Wenn alle Predigten. Jésus. Aber Jesus. Ne s'arrêtera pas. Wird niemand aufhören. La Bible dit. Die Bibel sagt. Il est le même. Er ist derselbe. Hier. Gestern. Aujourd'hui. Heute. Et éternellement. Und für immer. Mais pourquoi tu as pris cette décision, Adam? Aber warum hast du die Entscheidung getroffen, Adam? De trahir ton Dieu. Gott zu betrügen. À cause de quelque chose. Durch etwas. Mon Dieu, mein Gott. Hallelujah. Amen. Il y a des gens qui ont pris leur décision. Es gibt Leute, die trafen ihre Entscheidung. De craindre Dieu. Gott zu fürchten. De ne pas faire le mal. Nicht schlechtes zu tun. Parce que. Weil. Il a manqué à manger. Weil er nichts mehr zu essen hat. Il a manqué quelque chose à boire. Oder nichts mehr zu trinken hat. Il a accepté de commettre un péché. Hat er akzeptiert, eine Sünde zu begehen. Oh Adam. Oh Adam. Qu'est-ce qui se passe? Was geschieht? Ton Dieu. Dein Gott. Il est la source de toute er ist die Quelle von allen Segen. La Bible dit. Die Bibel sagt. Er ist ceux qui se confient en l'Éternel. Freunde dürfen die sich, die an Gott Zuflucht finden. Parce qu'ils trouvent dans leur cœur. Denn die finden in ihrem Herzen. Tout alle Wege, die von Gott schon vorbereitet wurden. Si tu te confies en Dieu, wenn du dich an Gott vertraust, wird er dir das geben, was du suchst. Du hast mich nicht verstanden. Warum tust du das? Pardon, Adam, was geschieht? Ton Dieu te cherche. Dein Gott sucht dich. Il te cherche.
ersucht dich. Regarde les milliers de gens. Schaut euch das die an. Aujourd'hui décidé, die sich selbst entschieden, d'abandonner Dieu, Gott zu verlassen, parce que quelqu'un a commis un péché. Weil jemand eine Sünde begangen hat. Non. Nein. Le coordonnateur est un homme. Der Koordinator ist ein Mann. Je suis un homme. Ich bin ein Mann, Mensch. Amen. Amen. Ce n'est pas moi que vous voyez. Es bin nicht ich. Ce n'est pas le cordon qui est ici. Es ist nicht der Cordon. Loin de nous deux. Ici devant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi et toi, nous dépendons de lui. S'il dit non, non. S'il dit oui, c'est oui. Mais pourquoi alors tu me regardes? Change soumission. Tu me vois en route. Ça peut arriver. Es kann zukommen. Eine Nacht. Je suis fatigué. Ich bin sehr müde. Je n'arrive pas à prier. Und ich bete. Mais qu'est-ce que je vais faire? Was soll ich tun? Je vais dormir. Ich werde schlafen. Mais c'est lui. Aber derjenige, qui vous protégera. Der euch beschützen wird. Ja, die. Ist der gesagt? Je ne vous laisserai point. Je vous ne laisserai point. Je serai avec. Ich werde mit euch jusqu'à la fin du monde. Bis ans Ende der Welt. Amen. Alléluia. Amen. On a l'impression. Viens d'un autre. Et aujourd'hui, Adam, das heute Adam, il écoute plus la parole d'un homme que la parole de Dieu. Er hört mehr das Wort eines Menschen als das von Gott. Hein? 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si un homme parle, wenn ein Mensch spricht, nous tous on écoute. Wir alle hören. Mais si Dieu parle, wenn Gott spricht, on ne l'écoute pas. Dann hören wir nicht. Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? Adam, wo bist du? Ce n'est pas ta place. Es ist nicht dein Ort. Ce n'est pas là où je t'ai laissé. Es ist dort, wo ich dich gelassen habe. Ce n'est pas là où je t'ai laissé. Es ist nicht dort, wo ich dich gelassen habe. Adam, c'est moi qui t'ai créé. Adam, ich hab dich geschaffen. Je te connais que mieux que tout le monde. Ich kenne dich besser als jeder andere. Si je te dis, reste ici. Wenn ich dir sage, bleib hier. Ne mange pas cette arme. Es ist nicht von dieser Frau. Je sais pourquoi. Ich weiß warum. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Kann jemand Amen sagen? Si Dieu te dit. Wenn Gott dir ne sagt. Ne fais pas ça. Tu das nicht. Ne fais pas ça. Tu das nicht. Ne fais pas ça. Tu das nicht. Ne fais pas. Tu nicht. Parce que le pasteur a dit. Weil der Pastor gesagt hat. Mais fais-le. Aber tu parce que Dieu a dit. Weil Gott es gesagt hat. La pasteur, la parole d'un homme peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Das Wort eines Menschen kann vergeblich werden. C'est pour cela. Deshalb, quand tu regardes l'homme de Dieu, wenn du den Mann Gottes siehst, ne regarde pas l'homme. Dann schau nicht auf den Mann. Regarde Dieu. Aber schau Gott. Enlève l'homme. Tu regardes Dieu. Weg, aber schau quand Gott. On dit un homme de Dieu, wenn man sagt, ein Mann ça veut simplement dire, das heißt nur, le porteur de la présence de Dieu, le Träger von Gottes Gegenwart. Mais il n'est pas un Dieu. Aber er ist kein Gott. Adam. Adam. Où es-tu? Wo bist du? Hallelujah. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Spreche zu jemand. Et la deuxième chose, die zweite Sache, qui a poussé à Dieu, die Gott dazu bringt, Adam cette question, Adam die Frage zu stellen, cette phrase nous montre combien le lieu de rencontre est très important pour faciliter à Dieu de nous. Diese Frage zeigt uns, wie wichtig unser Ortstreffen mit Gott ist, denn da, wo er mit uns spricht. Écoutez-moi. Hört mir zu. Dieu ne parle pas, Dieu parle pas à tout moment, non? Gott spricht in jeder, zu jedem Moment, ne parle pas partout. Aber nicht überall. Tu m'as pas écouté. Du hast mich nicht gehört. Dieu parle à tout moment. Gott spricht in jedem Moment, ne parle pas partout. Aber nicht überall. Je répète encore. Ich wiederhole. Dieu parle à tout moment. Gott spricht zu jedem Moment, ne parle pas partout. Aber nicht überall. Tu peux être dans la boîte de nuit. Du kannst im Nachtclub sein. Dieu peut parler. Gott kann sprechen. Mais il ne peut pas parler là-bas. Aber er kann nicht dort sprechen. Tu as compris? Hast du verstanden?
Si tu veux tuer quelqu'un, wenn du jemanden umbringen willst, ne parle pas. Sprich Gott nicht. Il parle. Er spricht. Mais c'est le problème. Aber das Problem. Le lieu là. Von dem Ort dort. Il ne parle pas. Dort in dem Ort spricht er nicht. Was ist so bizarre? Komisch der Satz, ne? Dieu parle tout à tout moment. Gott spricht zu jeder Zeit. Et il ne parle pas partout. Aber nicht überall. Ça veut dire, das heißt, tu peux écouter Dieu. Du kannst Gott hören. Mais tu peux encore entendre Dieu. Aber du kannst auch Gott verstehen. Tu peux écouter sans entendre. Du kannst hören ohne, du kannst hören ohne zuzuhören. Besser. Quelqu'un peut dire Amen. Jemand kann Amen. Tu es loin. Obwohl du hast écouté que quelqu'un a crié. Du hast gehört, dass jemand mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Du hast nicht zugehört, was er gesagt hat. Alléluia. Amen. Tu peux dans la chambre. Du kannst im Zimmer. Et ton mari t'appelle. Dein Mann ruft dich. Elena. Elena. Tu écoutes une voix parler. Du hörst eine Stimme gesprochen. Mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Du hast nicht zugehört. C'est pour ça dans la Bible. Deshalb in der Bibel. Quand Dieu parlait aux prophètes. Ils n'ont jamais ni jamais écouté. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ich habe Gottes Stimme. Parce que quand on entend, wenn wir hören, ça veut dire, das heißt, on écoute et on comprend. Und wir verstehen. Mais tu peux écouter sans comprendre. Aber du kannst hören ohne verstehen. Tu es d'accord avec moi? Musst du mir einverstanden? Le professeur dit, der Lehrer sagt, x au carré, x hoch 2 égale 2. Gleich 2. Tu as écouté. Du hast gehört. Tu n'as pas compris. Aber nicht verstanden. Ja, gut, du so weiter, aber Mathe. Deshalb versagen wir in Mathe. X mal Y egal Y sur X. X minus Y gleich X minus Y durch X. Tu as écouté. Du hast es gehört. Mais tu n'as pas entendu. Aber nicht zugehört. Amen. Amen. Et und plusieurs fois, mehrmals, quand Dieu parle, wenn Gott spricht, les parler, donc parler, das sprechen, c'est pour Dieu, ist für Gott. Mais entendre, aber zuhören, ist für den Menschen. Écoutez, hört Dieu dit, Abraham, Gott sagte, Abraham, ich werde dich segnen. Abraham hat écouté. Abraham gehört. Mais pour que cette parole, aber damit das Wort, puisse prendre la forme, eine Form annimmt, Abraham devait quitter la maison de son père. Abraham das Haus seines Vaters und Mutters verlassen. Est-ce que vous avez compris? Habt ihr es verstanden? Das heißt, Abraham n'a pas seulement écouté. Abraham hat nicht nur mais gehört, il a entendu. Aber er hat zugehört. Que Dieu a besoin de lui dans un autre côté, mais pas ici. Dass Gott ihn in einem anderen Ort hat, nicht hier. Amen. Amen. Mais Dieu parle où? Aber wo spricht Gott? On l'entend où? Wo hört man ce n'est pas à la maison. Nicht zu Hause. C'est à l'église. In der Kirche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous priez, wenn ihr betet, entrez dans la chambre. Geht ins Zimmer. Fermé. Geschlossen. Car votre Père, denn euer Vater, qui est dans les lieux secrets, der in den geheimen Orten ist, vous le récompensera. Er wird euch eure Wege lassen. Quand dans ta chambre, wenn du in dein Zimmer bist, tu écoutes, du hörst, tu écoutes, du hörst. Mais ça peut arriver. Aber es kann zu tu as beaucoup écouté. Du hast zu viel gehört. Entendre. Aber ohne zu verstehen. Hein? Mm-hmm. Mais si tu veux entendre, aber wenn du verstehen möchtest, la voix de Dieu, Gottes Stimme, c'est quand tu quittes, es ist, wenn du le lieu secret, wenn du in den geheimen Orten mais tu viens, aber du kommst à sa maison, in sein Haus. Parce que dans la maison de Dieu, Gottes Haus, il ne parle pas seulement. Sprich er nicht tu ne l'écoutes pas seulement. Du hörst nicht mais tu nicht comprends même ce qu'il veut te dire. Verstehst du, was er dir sagt? C'est pour ça la Bible dit. Das sagt die Bibel. Ne fuyez pas vos assemblées. Rennt nicht von euren Gemeinden. Ça veut dire quoi? Was heißt c'est das? Dans l'assemblée. In der Gemeinde. Que le Saint des Saints habite. Es ist in der Gemeinschaft, wo die Heiligen wohnen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te donner une explication. Lass mich dir erklären. Dieu a dit à Moïse, Gott sagt zu Moses, construis le tabernacle. Richte das Tabernacle. Il y a le parvis. Es gibt den Vorort. Le lieu saint. Heiligen Bereich. Et le lieu très saint. Und den sehr heiligen Bereich. Celui qui est au parvis. Derjenige, der im Vorort. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Heißt es nicht, das heißt nicht, dass Gott da nicht spricht. Non. Dieu parle. Gott spricht. Amen. Amen. Aux autres camarades. Est-ce que tu veux? Amen. Sois en un parvis. Wenn du im Vorort. Mais Dieu parle. Gott spricht. Mais le problème c'est quoi? Alors, was ist das Problem? Là, dort, tu ne vas pas entendre. Wirst du nicht verstehen. Tu dois quitter. Du musst verlassen. Entrer dans le lieu. In dem heiligen Bereich eingehen. Est-ce que là Dieu ne parle pas? Spricht Gott da nicht? Donc il parle. Doch er spricht. Mais le problème c'est quoi? Alors, was ist das Problem? Dans le lieu saint. In dem heiligen Bereich. On a rien dit. Parce que les bruits qui viennent du parvis.
Denn die Laute, die von dem Vorort kommen, ça peut être dans le lieu saint. Parce qu'il n'y a pas une voix. Denn es gibt keinen Vorhang, qui couvre le lieu saint. Mais qu'est-ce que le sacrificateur fait? Was tut der Priester? Il quitte le lieu saint. Er verlässt den Heiligen, pour aller dans le lieu très saint. Den sehr heiligen, parce que dans le lieu très saint, den sehr heiligen, nous avons l'arche, haben wir die Arche, le bâton d'Aaron, haben wir den et le pain. Stab von Aaron. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? Adam, wo bist du? Parce que Dieu t'attend. Denn Gott dans le lieu très saint. Er wartet dich im Saal. Là où il y a son bâton. Da wo sein Stab. Le bâton d'Aaron. Den Stab von Aaron. Qui est l'image de la puissance de Dieu. Denn das Bild von Gottes Macht ist. Il y a le pain. Es gibt. Qui est l'image de la parole de Dieu. Es gibt das Brot, das Et il y a l'arche. Und die image de la présence de Dieu. Celui qui rencontre Dieu. Celui qui rencontre Dieu. Celui qui écoute sa parole. Wort, il verra sa puissance. Er wird seine Macht bekommen. Mais ça, aber das ist dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Und der sehr heilige Mensch ist hier. Adam. Adam. Où es-tu? Wo bist du? Il y a beaucoup de gens qui se perdent pour rien. On se complique pour rien. Die komplizieren sich selbst. Dieu Gott a déjà placé des endroits où tu vas les trouver coûte que coûte. Gott hat schon Orte platziert, wo du ihn immer hören wirst, egal was kommt. Tu es d'accord avec moi? Bist du mir einverstanden? Anna priait dans sa maison. Anna betete in ihrem Haus. Il a cherché Dieu dans sa maison. Sie suchte Gott in ihrem Haus. Mais le jour de ta visitation, aber der Tag, wo ce n'était pas à la maison, war nicht zu Hause. C'était dans les temples. Es war im Tempel. Pourquoi dans les temples? Warum im Tempel? Parce que dans les c'est un oberste Priester. Il est la voix de l'autorité de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Quand il dit femme, rentre à la maison. La prière a été exaucée. La gebet wurde erhört. La question se pose. Die Frage, die sich stellt. Qui est ton souverain sacrificateur? Wer ist dein oberste Priester? Alléluia. Amen. Parce que Adam c'était Dieu. Weil Adam qui est venu le chercher. Adam, es war Gott, der ihn aufsucht. Mais donc toi Adam, aber du Adam, tu n'as pas de Dieu. Du hast keinen Gott. Mais si tu te perds, wenn du auf dich verlierst, il viendra te chercher. Wer kommt dich aufsuchen? Alléluia. Amen. Adam s'est perdu. Adam hat sich verloren. Parce qu'il s'est déplacé. Weil er weggegangen ist. Et là où Dieu l'avait laissé. Dort wo Gott ihn kam. Quand Dieu est venu, und als Gott kam, il ne le trouve pas. Und er sah, mais écoute-moi. Tu as besoin de la gloire. De l'élévation. Mais les dimanches, tu ne viens pas. Tu n'es pas là où Dieu te voit. Maintenant, si Dieu vient pour te bénir, tu penses que tu seras béni? Denkst du, dass du gesegnet wirst? Tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Tu es à la maison. Tu bist zu Hause. Les hamburgers. Du isst Hamburger. Et les KFC. Und KFC. Mais tu as besoin de la promotion. Aber du möchtest eine Beförderung. Hör mir zu. Tout le monde est homme. Jeder ist ein Mann. Mais il y a des hommes. Aber es gibt Männer. Que Dieu a placé. Die Gott placé. Ils sont différents. Die sind ils ont une notion particulière. Die haben eine andere pour Salvo. Résoudre les problèmes les plus difficiles. Hey, schwierige Probleme. Pour voir ces hommes-là. Um diese Menschen zu sehen. Ils sont venus dans la présence de leur Dieu. Müsst ihr in der Gegenwart von ihrem Gott kommen. Halleluja. Amen. Dieu cherche Adam. Gott sucht Adam. C'est comme Dieu nous cherche. Es ist, Gott sucht uns jeden Tag. Quand on n'est pas dans sa présence. Wenn wir nicht in seiner Gegenwart sind. Tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Tu es d'accord avec moi? Bist du mit mir einverstanden? Adam, Adam, ce que toi tu l'as fait, das, was du tust, c'est rester là où Dieu t'a dit. Dort zu bleiben, wo Gott dich schon gesehen hat. Reste là où Dieu t'a donné. Bleib da, wo Gott dir den Ort gegeben hat. Reste dans ton église. Bleib in deiner Kirche. Écoute ton pasteur. Hör auf deinen Pastor. Même si ça ne marche pas. Auch wenn es nicht funktioniert. Je t'ai dit, ça va marcher. Je t'ai dit, es wird funktionieren. Je t'ai dit, ça va marcher. Es wird funktionieren. La Bible dit. Die Bibel sagt. Confiez-vous en l'Éternel. Vertraut dem Herrn. Vous serez affermis. Und ihr werdet gefestigt. Mais grâce des serviteurs. Aber deine Diener, die vous réussirez. Werdet ihr erfolgreich. 2 Chronique 20. 2. Chronique. La parole de Dieu ne ment pas. Deshalb versagen sie. Wenn sie etwas tun möchten, sie hören nicht Gott. Aber die Schlange. Amen. Amen. Le problème c'est quoi? Was ist das Problem? Le serpent ne peut pas venir là où Dieu a mis Adam. Die Schlange kann nicht dort kommen, wo Gott Adam platziert hat. Mais le serpent viendra. Aber die Schlange wird là où Dieu n'a pas mis Adam. Da wo Gott Adam nicht getan hat. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Denn der Baum der Erkenntnis
von Gut und Schlecht. Le passage interdit. War ein verbotener Zugang. L'homme ne pouvait pas arriver là. Der Mensch durfte nicht da. L'homme est tenté. Mensch ist versucht worden. Parce qu'il a lui-même accès au diable. Weil selber den Teufel Zugang gegeben hat. Et la Bible dit, und die Bibel sagt, ne donnez pas accès au diable. Gibt den Teufel keinen Zugang. Moi, tu dis, du sagst, que Dieu va me guérir. Gott wird mich heilen. Je crois. Ich glaube. Et je crois. Und ich glaube. Je crois. Und ich glaube. Un jour, aber eines Tages, a augmenté. Der Schmerz wurde schlimmer. Toi-même, tu changes. Du selber änderst. Ça vous a rappelé. Dann wurdest du. Oh, tu as oublié. Obwohl du vergessen hast. Il t'a déjà donné un nom. Das ist dir schon ein Name. La Bible dit, devant le nom de Jésus, vor den Namen tout genou fléchit, que tout le monde confesse que Jésus-Christ est l'air. Bekennen, dass Jesus Dieu malade. Wenn du krank bist, invoque ton Dieu. Dann rufe den Herrn. Quiconque. Er sagt, der invoquera le nom du Seigneur. Wer den Namen den Herrn ruft, sera sauvé. Wird gerettet werden. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu t'a donné ton église. Quand il te voit là, ça existe. Vous savez beaucoup de gens. Ils pourquoi ils ne sont pas ici aujourd'hui? Mais posez-vous la question. C'est parce que toi, c'est là où Dieu t'a placé. Es ist dort, wo Gott dich platziert hat. Mais quand Dieu und wenn Gott vient te visiter, dich aufsuchen kommt, quand il te voit ici, wenn er dich hier il ne te posera plus la question où es-tu. Er wird dir nicht die Frage stellen, wo bist mais du. Mais il te dira, aber er wird dir sagen, fais ce que tu veux. Empfange das, was du möchtest. Amen. Amen. Adam, Adam est sorti kam, de sa couverture spirituelle. Kam aus seinem geistlichen Schutz. Parce que le diable était un esprit. Der Teufel ist ein Geist. Tellement il avait vu. Da sah, Adam avait pris des couvertures spirituelles. Adam hatte keinen geistlichen Schutz mehr. Il a profité pour l'attaquer. Profitierte um ihn zu attackieren. Halleluja. Amen. 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 Toi, tu es ici. Du bist hier. Tu fais des choses. Du tust das. Sans que ton dernier message. Ohne dass dein Dernier ist. Tu as commencé seul. Du hast selber angefangen. Et puis, und dann, si ça ne marche pas, wenn es nicht funktioniert, dann die. Dann die. Dann wird die. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Mais écoute, aber tu as commencé avec du hast mit wem? Adam. Adam. Reste là où Dieu t'a dit. Là wo Gott dir gesagt hat zu bleiben. Amen. Amen. Tu veux te marier? Du willst dich marier? Tu ne sais pas. Der, die weiß on va dire le lango. Du hast deine Lange. Yeah. Hey, baby Nanda. Mon chéri. On va dire. Si ça ne marche pas. Ist ça nicht funktionnel. Alors c'est cash. Adam, et on dit, où es-tu? Wo bist du? Je suis mi. Ich bin là. Tu vois? Du siehst es. Amen. 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 Hein? Toi tu penses, tu denkst, que Dieu ne savait pas que tu es nu. Das Gott nicht wusste, dass du nackt bist. Il le savait déjà. Er wusste schon. Mais le problème, aber das Problem, il cachait ça. Er versteckte das. Parce que ça va se faire, ça va te faire honte. Weil es dich beschämen wird. Il y a d'autres choses. Es ist einige Sachen. Que Dieu évite de nous révéler parce qu'on aura la culpabilité. Gott möchte uns das nicht offenbaren, denn wir werden Schuldgefühle gegen uns selbst haben. Ce qui nous emballe l'air révélé. Denn wenn Gott dir offenbart, yo ya solo, dein wahres du ich. Du wirst nicht schaffen, du wirst nicht denken, dass du so dreckig bist. Amen. Amen. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Aber was tut Gott? Il te couvre. Er bedeckt dich. Il te couvre. Er bedeckt dich. Il te couvre. Er bedeckt dich. Mais si toi, aber wenn du dich déplaces, de la couverture de Dieu, von Gottes, Dieu le laisse ici. Gott ist mit dir. Aber du gehst. Tu es là. Gott mais toi, tu avances. Aber du gehst. C'est pour là dann von da, que Adam sait. Von da an wusste Adam, dass nackt ist. Quand tu priais, wenn du betest, tu avais une conviction que ton problème. Spürtest du nicht, wenn du betest, du hast eine Überzeugung, dass dein Problem eine Lösung findet. Ça t'est jamais arrivé. Ist dir noch nie zugehört. Quand tu pries, wenn du betest, sens que mon problème. Spürst mein Problem wird. Mais seulement quand tu arrêtes de prier. Aber als du, wenn du aufhörst zu beten, malade de nocte, dann wird der Schmerz schlimmer, die Krankheit schlimmer. Je n'ai jamais bien compris. Ne t'es pas passé du faux. Ne suis pas passé du faux causé. Ah, c'est. Et puis, bah, ma carrière, ami, qu'à ce que je on disait, alte leader, comme on avait mes façades. Quoi, t'as une nostalgie? C'est mon lado. Amen. C'est lui qui est avec Dieu. Il est avec Dieu. Il ne demande pas. Er bittet nicht. Mais il adore. Aber er betet Gott an. Amen. Hein? Un adorateur. Ein Anbeter. Ça montre les signes qu'il a tué. Das zeigt, ein Anbeter zeigt das Zeichen des Supplikanten. Aber ein Bitter, sag mal, sagt Gott, ein Bitter zeigt, dass Gott nicht da ist. Oh, je pose la question. Ich stelle die Frage. So qui, Papa, Papa, so qui, Cordon, Sananda.
Wenn der Koordinator zu Hause ist, was die Bio, was die Lohna, die muss er dich anfehlen, um etwas aus dem Tiefkühl. Aber wenn der Post ist, und ihr habt schon die Tür, was muss er tun? Ich fange mal an. Dann muss er doch anfangen. Bitte mach die Tür auf. Wie soll ich? Hier, was sind wir? Du bist schon lange raus. Du hast 15 Jahre, 15 Jahre, 5 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 6 Jahre. Ich kenne dich nicht ganz schön. So, wie mon ami, wenn du sagst, warum? Pasteur Pika. Der Pasteur Pika. Der Pasteur Pika. Der Pasteur Pika. Der ist dein Gott. Amen, amen, amen. Amen. Halleluja. Amen. 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 Oh, was? Diese Gruppe des Gebets. Die sind so lässig. Man kann nicht lässig. Mais si on te dit, même à Isaac, viens chez les prophètes Ephraim là-bas à Bouni. Quand tu es prophète Ephraim d'autre, Baba Naka, tu fais un Zoran. Baba Naka, tu fais un Zoran. Trigger à Bakaboye. Trigger à Bakaboye. Jean-Pierre à Bakaboye. Je ne suis pas Jean-Pierre. Je ne suis pas Trigger. Je ne suis pas Trigger. Moi, et je suis un fils de Dieu. Je suis un sauveur. Appelé pour la restauration des familles. Berouve mon famille et vie. Je ne tomberai pas. Israël ne je ne souhaiterai pas. Parce que c'est lui qui est en moi. Il est plus grand. Tu vois ce que tu es malade. Tu as bien dit que tu es malade. Tu vois ce que tu es malade. Mais le Dieu qui est ici.
Quand tu dis Jéhovah Rapha, on dit Jéhovah Rapha. Au lieu de venir, c'est Jéhovah Rapha. Je pense que Jéhovah Rapha. Quand tu restes dormi, tu sleep. Ceux qui se couchent, ils ne veulent pas. Quand tu rentres chez toi, je vous dis, ils s'accrochent. Personne ne peut mourir à l'église. Niemand kann in der Kirche sterben. Je ne crois pas ces choses. Ich glaube nicht an solche Sachen. Hein? Nein, das geht nicht. Es wird niemand zukommen. Es wird nicht zukommen, zutreffen. Même si le médecin dit qu'il a trois jours. Auch wenn der Arzt sagt, du hast drei Tage. Si vous le mettez ici. Wenn ihn hier tut. Même si personne est dans la salle. Auch wenn niemand im Saal. Mais Dieu qui reste ici. Le Gott der hier. Le Dieu qui habite ici. Le Gott der hier. Il voit le ressuscité. Le Gott der hier. Parce qu'il est la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Adam. Adam, où es-tu? Wo bist du? J'ai fini pour dire. Ich beende, um zu sagen, chaque fois. Jedes Mal, que Dieu, wenn Gott, se prépare, sich vorbereitet, pour visiter son peuple, um sein Volk aufzusuchen, c'est le diable qui vient prier. C'est der Teufel, der immer als erster kommt. Si tu vois, wenn du siehst, la présence du diable, die Gegenwart vom Teufel, sache-le, dann weiß, que la voix de Dieu n'est pas trop loin, dass Gottes Stimme nicht weit von dir ist. Quand vous avez des grands problèmes, wenn ihr große Probleme habt, c'est tout était bien. Alles war gut. C'est moi parce que la solution est venue. Nur weil die Lösung kommt, fängt der Teufel an Sachen zu schaffen. Vous voyez comment il fait? Seht ihr, wie er parce que le diable, weil der Teufel cherche la peau. Er sucht eine Tür. Remarquez. Bemerkt. Si les gens parlent de choses qui n'ont pas de sens. Wenn Leute über Sachen reden, die keinen Sinn ergeben. Tout le monde a sa vie. Sind alle Leute gut? Aber wenn einmal nur Jesus macht, dann fangen alle an zu streiten. Sag deiner Frau, wo geht Dubai? Lass nach Dubai fliegen. Eine Woche. Aber nur selber, weil ich sie packt schon einen Monat vorher Koffer. Na, Kossi? Lügisch. Aber sag ihr nur, lass uns fasten und beten, um Gott zu suchen. Chers, Jean-Pierre le Grand a dit, c'est que nous comprenons la maritante. Amen. Amen. Soyez ici. Venez-vous. Chérie, chers, dimanche, tu es dans la plage. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a Espagne. Il y a Espagne. Vous êtes chouin. Vous êtes à bien. Vous êtes à ce moment-là pour passer dans la salle. Vous êtes à bien. Mais ce qu'on a fait, on va tout ça. Chérie, chers, ce qu'on a fait, c'est ce que je fais. Zwischen 13 und 14 Uhr. Wenn ich jetzt rausgehe, da in Leverkusen, gegen Obdachlosen, wenn du drehst, 50.000 sind da. Dann lass ihn aufs Klo. Wenn er dann abgeht, schau die Erklärung. Na, Franzé, non, so grande école primaire, na, so grande école primaire, sein ganzes Französisch, was er sagt. Er spricht schon was für mich. An dem Tag sagt er, weißt du, was du siehst, 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 Amen. Toi, tu es toujours fatigué les jours de Dieu. Du bist immer müde am Tag von Gott. Alter, du bist ein Mini. Wie bist du denn drauf, Vater? Écoutez. Hör zu. Dieu est oh. Mein Gott. J'ai vu des miracles et des miracles. Ich sah Wunder und Wunder in meinem Leben. Je vous dis la vérité. Ich sage euch die Wahrheit. J'ai vu des miracles. Ich sah Wunder. Je ne sais pas si je peux donner tout ce que je fais. Je sais pas si je peux donner tout ce que je fais. La présence de Dieu. Die Gegenwart von Gott. C'est plus que la présence d'un roi. Ce que la ministre de la présence. La Gegenwart eines Königs, Ministers oder Präsidents. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ce que je suis parce que je suis un enfant d'un président, mais parce que je suis un enfant de Dieu. Ich bin nicht das, was ich bin, weil ich ein Kind eines Präsidenten bin, sondern ein Kind von Gott. Tu es parce que tu es, parce que ton père était un ministre. Non, c'est parce que tu es un enfant. Du bist nicht das, was du bist, weil dein Vater ein Minister ist. Nein, weil du ein Kind Gottes si bist. Pour les wenn es für Familien wäre, dann muss das muss die Tochter von Yachichi und sie predigen. Amen. Halleluja. Amen. Mais si tu es aber wenn du das bist, was du bist, du bist im guten Zustand, du hast eine Arbeit, tu as des enfants, du hast Kinder, tu es mariage, du hast eine Ehe, tu as la stabilité, du hast Stabilität, c'est parce que Jésus,
Tu prends soin de toi. Ce sont des sortes. Et bleibt zu Hause. Am Tag von Gott. Amen. Amen. Écoutez les jeunes. Vous savez combien de jeunes qui souffrent en Afrique et partout dans le monde? Wisst ihr, wie viele Jugendlichen in Afrika und überall auf der Welt leiden? Fragt uns doch. Wir sind ein bisschen in Afrika aufgewachsen. Oh, Halleluja. Amen. 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 Du gehst den Berg zu fassen hoch. Du gehst zum Berg hoch und zu fassen. Amen. So wie du alle Zeit. Du weißt, dass man dich gekocht hat. Und dann ermutigst du Leute, die verpassen mal den Berg. Dein Mensch lebt nicht nur vom Bett, sondern von allem Wort, was von Gott Zala. Munka. Halleluja. Amen. Au moins, Joris a bien mieux à écouter moi mes pandis. Si Joris qui est draußen, elle dit un peu ce flash. Oh, ma vie, la guerre, écoutez moi chips. Von gut und schlecht. Halleluja. Amen. Que Dieu vous bénisse. Möge Gott euch segnen. Je disais que Dieu vous bénisse. Ich sagte, möge Gott euch segnen. Non, c'est que donne à Jésus des acclamations. Pousse aussi les cris de joie pour lui. Alléluia. Elle est femme là où tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, du wirst Gott sagen, crée en moi un cœur pur, schaffe in mir ein reines Herz, et renouvelle en moi und erneuere in mir un esprit bien
Christ aussi. Ein guter Patient, Geist. Dis Seigneur, sag Herr, je vais à partir de maintenant. Ich möchte ab jetzt obéir à ta parole. An dein Wort gehorchen. Être toujours dans ta présence. Immer in deiner Gegenwart zu sein. Peu importe les choses. Egal was geschieht. Même si les circonstances arrivent. Auch wenn Situationen kommen. Moi, aber ich, je serai toujours dans ta présence. Ich werde immer in deiner Gegenwart. Élève ta voix, commence à prier. Élève deine Stimme und fang an zu beten. Élève très fort ta voix, commence à prier. Élève deine Stimme und fang an zu beten. Commence à parler à Dieu. Sprich zu Gott. 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 Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Parle à Dieu. Sprich zu Gott. Je vais prier. Commence à parler à Dieu. Sprich zu Gott. Élève très fort ta voix. Dis Seigneur, change mon cœur. 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 Bien-aimé, tu ne parles pas. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, le Seigneur va toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Commence à demander à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te toucher. Demande à Dieu de te transformer. Demande à Dieu de te transformer. Continue à parler à Dieu.
Jesus.
dans cet homme. Interprète au monde. Vers où? Hey, qui es-tu? Bien, monsieur. Ah! Rose! Ah! Rose! Jesus! Jesus!